Gardez pas boule G, c'est une émission qui a ba au visage la ria, j'en lié a. Quitte en Haïti ou dans le monde entier, c'est branché, gardez pas boule G. Chaque jour bon Dieu mette, information sous politique, sous sport, sous la kilti, c'est ça fait pas, gardez pas boule G. Gardez pas boule G, c'est une émission ou pas karaté. Eh bien nous tous, en gardez, en commenter. Formalité légale ont été respectées. Vu la loi en vigueur, vu la lettre du ministère de la justice et de la sécurité publique, vu la commission, vu la lettre. De la commission, prise en conseil des ministres. Les commissaires du gouvernement demandent au tribunal de procéder à la lecture de tous les documents soumis au fait de la prestation de service. Je jure d'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Bravo! Bravo! Les mots deviennent souvent étroits pour décrire l'immensité de la joie qui m'envahit en cette occasion. J'éprouve un réel plaisir à prendre la parole aujourd'hui, ce d'après-midi, en cette occasion spéciale, cérémonie de prestation de serment, suivie de mon installation comme doyen du tribunal de commerce de Port-au-Prince, pour un nouveau mandat de 7 ans. Je dois dire que la présence technique du CSPJ rehausse l'éclat de la cérémonie du jour au terme de l'article 1er de la loi du 13 novembre 2007. Le CSPJ, c'est l'organe d'administration de contrôle de l'élimination de la magistrature. Avec l'adoption de cette loi, c'est le CSPJ qui fait l'administration de la justice en ce qui a trait aux magistrats, c'est-à-dire aux magistrats assis. Le 23 décembre 2022, lors de la cérémonie d'installation du doyen Adimé Chabalitienne, le représentant du CSPJ, l'honorable Jean Carves, commissaire du gouvernement de la Cour de cassation de la République, avait déclaré que le doyen Bernard Saint-Ville allait observer une cause. En ce sens, il devrait reprendre sa fonction sous peu. Lors de cette cérémonie, il vantait surtout mes qualités en tant que travailleur infatigable. Il a demandé au doyen Chava de suivre l'exemple que j'ai donné. Même en situation difficile, j'étais toujours au tribunal de première instance de Port-au-Prince. Les autres employés infatigables qui m'assistaient. On a frôlé la mort quotidiennement au bicentenaire pour faire de la justice un service public. J'en profite pour saluer le courage de ces infatigables employés. Je veux parler du greffier chef Moussa Tassi, du bon année Jean Bruno, de Ania Ophélia Nelcy, de Elda Jean-Pierre, du greffier Prévost, du greffier Atassi, de Mme Cadet, du greffier Eric Simons, de tous les autres employés qui se sont distingués. Je dois dire qu'à la date du 21 avril 2023, lors d'une réunion statutaire, le CSPJ a approuvé
mon retour comme doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Mais cette décision à l'air effective le 22 juin, date à laquelle le CSPJ a statué sur mon dossier, c'est-à-dire le dossier de certification. J'ai soumis toutes les pièces requises par le CSPJ qui a approuvé la décision de certification. Je dois dire que dès mon arrivée ici à la tête du tribunal de première instance, j'ai convoqué une réunion du comité de suivi de la chaîne pénale. Le comité de suivi de la chaîne pénale, c'est un espace d'échange et de réflexion autour de la problématique de la détention préventive prolongée. Les lois fixent des délais pour la comparution des personnes privées de leur liberté par devant une juridiction répressive des jugements, mais force nous est de constater que ces délais ne sont jamais respectés. C'est la raison pour laquelle on convoque régulièrement des réunions du comité de suivi de la chaîne pénale. Et je demande au commissaire du gouvernement qui est ici à mes côtés de me rejoindre dans ce combat. Quand le travail commence à partir d'aujourd'hui, nous devons faire de notre mieux pour redynamiser la grande juridiction du tribunal de première instance de Port-au-Prince.